Ordi. L'unité centrale. Soutenu musicalement par Mr. BBP. Et orchestré par Connie. On s'éclate! Bonsoir. Bienvenue dans On s'éclate, le grand divertissement a désormais un visage dans le paysage audiovisuel africain. Durant la prochaine heure et demie à venir, nous allons tout simplement nous éclater, mais attention, avec pas n'importe qui. Ces stars que vous avez reconnues certainement vont pendant un moment tomber le masque du glamour, des strass, des paillettes, pour se plonger avec nous dans un monde d'autodérision, un monde de délire. Et je ne vous garantis pas qu'au sortir de cette émission, tout le monde soit sain et sauf. Permettez-moi donc, très cher public, chaud, non, chaud, de vous présenter nos invités du jour. La go cracra du Jassa, Nash. La révélation du Zouglou sans aucune espèce d'hésitation, j'y sais pluriel. C'est la fille de Dieu et la chouchou du coupé décalé, Bomba Ami Sarah. Et le nouveau visage, très beau visage d'ailleurs, t'es d'accord avec moi les filles, du cinéma ivoirien international, Réré Boule. Sans toutefois oublier de vous rappeler que cette grande fête sera musicalement soutenue par mon prince charmant, l'homme que j'appelle Mr. BBP. On the track! On the track! Oh yeah! Tu connais ton travail, petit. Et tu crois avoir présenté tout le monde? J'allais oublier le plus important, oui, j'allais c'est dire. Ça. Ah bah oui, c'est Ordi. Ça va, Ordi? Ça va, Connie, et toi? Bah ça va super bien, maintenant que je vous entends. Ah, tu me vois maintenant? Bah non, parce que je sais que vous avez deux voix. Ah, c'est n'est-ce vrai. N'est-ce pas, Ordi? Oui, parce que par moment, mais voilà. Je peux parler comme ça aussi, attention. Alors, Ordi va être celle ou celui, je sais pas comment le dire, qui va orchestrer... Ce celle qui va orchestrer tout ça et qui va nous donner des instructions. Enfin bref, ça va être des jeux. Et qui va aussi faire la voix de Imo, je vous explique tout de suite. Hein. Quand vous entendez Imo, autant pour vous, très chers invités, que pour le public, et même chez vous, à la maison, chers téléspectateurs, quand vous entendez Imo, tout le monde reste immobile. Il va se passer des choses, mais il ne faut pas rire, il ne faut pas bouger, sinon il y a un gage à la fin. Enfin bref, alors il va s'agir, mesdames et messieurs, de mettre en compétition nos chers amis, à travers une série de jeux aussi loufoques les uns que les autres. Et ça va se faire dans une ambiance bon enfant, une ambiance de folie. On va commencer sans plus tarder avec le tout premier jeu, tout de suite, le jeu number one. Danse avec les signes. Ordi. Alors, danse avec les signes. Sur les écrans, nous allons vous faire apparaître un indice qui devrait vous permettre d'identifier une danse bien connue de chez nous ou d'ailleurs. 5 indices sont présentés à chaque équipe et il vous faudra simplement deviner la danse qui se cache derrière chaque indice et ensuite les exécuter. Alors, c'est bon pour vous? Ouais, Ray, c'est bon pour toi? Non, j'ai... Tu es bon danseur ou pas?
Je vais faire mes preuves. Bah ouais. Et Danse avec les Signes, on va commencer tout de suite avec vos encouragements, évidemment. La team One. Sur le tatami. Danse avec les Signes. Y'a pas confiance. Merci. Y'a pas confiance. Non, mais j'essaie. Il ne peut pas la laisser danser toute seule. Hein. C'est tout le monde qui danse. Hein. C'est un groupe. Hein. Je vais juste vous demander de tourner votre regard sur le grand écran. Et nous allons tout de suite afficher le premier signe, la première image. Un canard, ça vous rappelle quoi? Ça vous évoque quoi comme danse? S'envoler. Non, pas du tout. Mais pas parce que le canard déploie ses ailes, non. C'est une danse ancienne en fait. Ivoirienne mais ancienne. Ça fait ça. Ah, là-bas. Bah oui yeah. Et ça se danse comment? Alors, tiens, c'est bon, c'est avec bien, la bien, chorégraphie. Bien, hein. Moi, là, Dio. Prochaine image. Ça, c'est du zouk. Ah oui, plusieurs cœurs et encore que tiens, c'est le zouk. Bonne réponse. Mon et Dieu. Le zouk, ça se danse à deux. Regarde-moi deux. Très peu. Dix. Ah, tiens. Attends, c'est pas fini. Ça va arriver là-bas. Je vais plus laisser. Quoi? Tu n'es plus laissé. C'est pas arrivé là-bas. Prochaine danse. Non, ça va arriver là-bas. Prochaine image. Où tu es parti là? Hein? Bon, là, on voit un jeune garçon très tatoué avec une crête d'une couleur. Oui, mais la crête, c'est une... la coiffure, mais ça va être tectonique. Bah, exactement, c'est ça. Et c'est la danse. Tu! Il y a été pas tu! Il hey n'y a pas l'homme. Tiens, tu es. C'est bon. Il faut que... Attends. C'est bon. Non, c'est trop facile. Non, je sais pas. Excuse-moi beaucoup, je sais plus rien. Mais il faut que tu le fasses toi aussi. On va encourager, je sais plus rien. On va. Allez, tectonique. Allez, Jace. Qui t'a appelé ici là? Tu apprendras. Mais quand même, j'avoue qu'ils sont à la hauteur parce que jusqu'à présent c'est un sans faute. Dernière danse, dernière image pour la team A. Bah, c'est trop facile ça. Ça c'est vraiment trop facile. Ah, oui, d'accord. La caméra de chez nous. Bah, ouais, caméra. Tchou. Hey. Comme ça, tu veux? JC Pluriel et Nash. La type 1. Il faut les applaudir, s'il vous plaît. Tion. Oui, c'est inspiré. Qui vous a appelé ici? Oui, c'est inspiré, vous avez coupé. Et à notre famille, il y a Z. Z comme la dernière de la famille. Mais attention, ce n'est que le début. Donc, mon cher. Non, mais c'est que le début quand même, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Héros de son temps. Et je vais demander à Ray et à Ami Sarah de rejoindre la piste de danse. Même principe, on va vous faire apparaître sur l'écran quelques images représentant des danses. Il va falloir les reconnaître et les esquisser. Alors, première image. C'est une fille, une femme qui est de dos, qui montre son... C'est l'image qui est là? C'est l'image, elle montre son postérieur en fait. Ça c'est un slow ça, non? Non, pas du tout. Elle montre un postérieur, on va dire... C'est Bo Baraba, c'est exactement, ça? Exactement, Bo Baraba. He's a slow. Attends, est-ce que je peux rester Imo? Non, pas du tout. C'est pas le moment. Il n'y a pas de Imo qui tienne. Allez, balance la sauce. Voici. Yes. Je valide. Je vous l'ai dit, ne vous fiez pas aux apparences. Je vous l'avais dit. Prochaine image. Pony. Attends, ça c'est rien. Oui, ordi. Est-ce que Ray a dansé? Est-ce que Ray a dansé les filles?
Ah ben j'entends non. Attention. On y va. Ah, c'est bon. Sérieusement. Prochaine danse. Bah, je crois que là, ça va être beaucoup plus facile pour toi. On m'a mis dans des problèmes là. Mais c'est quoi ça? La danse classique. Bah exactement, ce sont des ballerines. Je crois qu'il va assurer. Allez, on y va, tous les deux. On y va. Tous les deux. Comme ça, comme ça. J'ai envie de dire la grande classe. Bien assez classique ici. Non, 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 non. On a fait EPP, on va faire école classique. Au suivant. Au suivant. Bon, là, s'il s'agit d'un coq, on va dire un poulet, qui n'est pas très bien en forme, en fait. Ok. Bon, on a dit la danse de la grippe aviaire. Ça, c'est grippe aviaire. Grippe aviaire, ben oui. Bonne réponse. Wow. La compétition est rude. Non, il y a cinq Djoula, c'est même bien. Je disais à Jésus Pluriel de ne pas se fier aux apparences. Djoula Dello. Ah. Allez, de... au suivant. Salut Keita. Au suivant. Dernière danse. Bon, un ventilateur. Ça n'a qu'à le souffler. Ordi, si tu le permets, je vais quand même les mettre sur la voie parce que ce n'est pas du tout évident. Alors, c'est une danse, on va dire, qui nous vient du Sénégal. Voilà, le Mbala. Elle avait trouvé. Tout de suite, elle a trouvé. Le ventilateur. Ouais. Non, mais c'est le Mbala. Elle avait trouvé. C'est pas mal. Ah, maman. Mamba, Amisara, Rereboul. Merci. Donc, danse avec les signes. Non, les acquis, là, ils savent ça. Ils savent. Bon, c'était quand même une compétition rude, mais comme il faut un gagnant, Ordi. Oui, Connie. Alors, qui c'est qui a gagné cette manche? Alors, je crois que c'est sans suspense. Oui, c'est vrai quand même. L'équipe 1 qui remporte cette partie. Bisse. Évidemment l'équipe de Nash et de JC Pluriel qui était beaucoup plus à la hauteur, hein, mais bon. Vous aurez l'occasion de vous rattraper à travers d'autres jeux. Et justement, nous allons retrouver le jeu Number 2. Et ça s'appelle Baccalauréat. Mon très cher Ordi. Baccalauréat. Alors, nous allons vous soumettre à tous une lettre de l'alphabet ainsi que 4 thèmes par équipe. Et à tour de rôle, il faudra en 30 secondes chrono, c'est-à-dire assez rapidement, donner par thème des mots commençant par la lettre choisie. Voilà. Et la lettre choisie pour ce jour, eh bien, ça va être la lettre B. Nous avons choisi des thèmes, 4 thèmes pour chaque équipe. En France. Okay. La lettre B, on va commencer par l'équipe 2, l'équipe de Ami et Ray. La lettre B, il va falloir nous donner en 30 secondes le maximum d'objets, de noms d'objets, commençant par la lettre B. Top chrono. Et c'est parti. Une boîte. Un bic. Oui, on ne vous entend pas très fort. Hein, un blues. Bic. Oui. Boîte, bic, blues, bic encore. Hein. Un bac. Un bac, c'est quoi? Ah oui, un bac. Un bac à sable. Ouais. Ami. Un boubou. Un boubou, oui. On valide. C'est Djoula. Tais-toi. Il vous reste que 4 secondes. Oui. Ne vous laissez pas distraire. Une banane. Un bijou. Malheureusement, c'est fini, une banane. J'ai non, dit un bijou. Pas. Un bijou. Un bijou. Mais les leurs. Bon. Je sais qu'on est en train de tout calculer tout à l'heure. On va vous dire combien de points vous avez remporté pour ce premier thème. Alors, ça va?
On peut faire nushi, non? B, ça va. Il n'y a pas de nushi. Ah. C'est en français. C'est quoi? On va attaquer les animaux. En 30 secondes, top, c'est parti. Top chrono. Eh, boubou. Brebis. Boubou, non. Biche. Brebis. Biche. Boubou, je veux pas. Hein. Dieu. Il a dit boubou, quoi. Oh. Anne. Il m'a tué. Oh. Boubou. Babouin. Tout ça, c'est bon, mais boubou, non, ça passe pas. Blofouin, eh. On peut les applaudir quand même, c'est pas mal essayé. Ordi, oui, on est d'accord que boubou, ça passe pas. Ça ne peut pas passer. Non, mais boubou, quoi, attention. Allô, quoi. Nom de famille, Bamba Misara et Ray. Top chrono, c'est parti. Bamba. Oui, nom de famille. On peut inventer. Hein. Pourquoi? Bakayoko. Oui, très bien. Et bah... on bavarde pas en classe. On n'invente pas. Baki. Bansé. Baksé. Bansé. Bansé, oui. Très bonne réponse. Bachirou. Il me reste 9 secondes. Bachirou, mais ça peut être aussi des noms français. Hein, pour... Bantougo. Ah, des prénoms. Alors. Bantougo, par contre, je crois pas, non. Bachirou, jamais entendu. Il n'y a pas de faute. Non, mais hein? Bantougo, c'est un nom qui n'existe pas. C'est une amie. Si, c'est chinois. Une amie en fait. C'est une amie qui s'appelle Bantougo. Voilà, elle est au Congo. C'est ça, ouais. La seule. On va demander à Valide. Cette réponse est invalidée. La type A. Après le nom de famille, on va retrouver les prénoms. Commençons par la lettre B. Vous avez 30 secondes. On attend le chrono. Top chrono, c'est parti. Brigitte. Brunel. Blanchard. Béranger. Bonaventure. Baby. Béatrice. Ah ouais, quand même. C'est pas fini. Blandine. Blaoua. Non. Bléou. Betty. Ouais, Betty pour Bétika. Bal. Non, bal non. Bala. Et top. On enchaîne sans transition aucune. Oui, souffle un peu. Avec... des noms de capitales, commençant par la lettre B. Capitale dans le monde, évidemment. Ça réfléchit. Je compte sur toi et le Toubabou. Il est devenu Toubabou. Quand il dansait tout à l'heure, il n'était pas Toubabou. Bangkok. Bangkok. Brazzaville. Oui. Bah, quoique, ah oui, quand même. 18 secondes. Deux seulement. Le public, on ne souffle pas, s'il vous plaît. Parce que moi, je gifle avec mon micro, hein, attention. 10 secondes. Ville, non? Ou mais capitale? Ville, capitale, j'ai dit. Tu vas me gagner du temps. Non. Ville, non? Bordeaux. Non! Non, mais c'est sérieux? Eh ouais, ah, c'était pas la grosse récolte, hein, attention. Ouais. Bon, c'est pas fini. Pays. Botswana. Hey. Top, c'est parti. Botswana. Brésil. Bordeaux. Bamako. Non, j'ai dit pays. Hey. Belgique. Belgique, oui. Bruxelles. Faut pas m'énerver. C'est capitale. On a dit pays, vous avez 6 secondes. Pays voisin. Burkina. Ouais. Ah ouais, quand même. Burkina. Burkina. Ukraine pas loin. Burkina Faso. On enchaîne avec la team de Ray et Ami. Des noms de métiers commençant par la lettre B. Attendez le chrono, top, c'est parti. Boucher. Boucher. Braqueur. Bah oui, c'est un métier. Boucantier. C'est pas un métier. Boucantier, c'est pas un métier. Boucheron. Boucheron. C'est quoi boucheron. Ces métiers? Boucheron. Pardon, bûcheron, ouais. Voilà. Je vais vous frapper, hein, vous deux. Oui. Braconnier. Braconnier. Oui. Brancardier. Oui, 4 secondes. Boxeur. Ah bah oui. Mais oui. Et on va terminer par les fruits et légumes. Commençons par la lettre B. Fruits et légumes. Top chrono, c'est parti. Banane.
Il n'y a pas que ça. Banane. Légumes. Baobab. Baobab. C'est un arbre, ça. Le fruit s'appelle baobab. Blanco. C'est un fruit. Et voilà. Attendez. Là, je dis blanco. C'est un fruit. C'est un quoi? Non, je crois pas. On peut les applaudir. Bien fait, on dit que nous envoie. Un mot, il voulait dire, mais comment dans la télé? Non, ne dis pas. C'est un métier, quoi. Non, ça va, merci. Mais sinon, c'était quoi? On s'éclate. Ça commence par quoi? Daddy. Ça commence par quoi? Daddy. Non, c'est ça. Vrai. Commence par quoi? Non. Personne. C'était le baccalauréat et Ordi. Dans quelques instants, on aura le résultat, évidemment, de cette manche et savoir qui c'est. Alors, la manche. Roulement de tambour. And the winner is... C'est qui? Tout le monde est suspendu à mes lèvres, comme c'est fou. Mais l'équipe 1. Bravo. Vous êtes dans On s'éclate et nous allons tout de suite attaquer. Plus personne ne bouge. Même pas moi? Même pas toi. On ne cligne pas des yeux. On ne respire plus. Malgré les grimaces de ce pitre derrière vous. C'est qui ce type? Et regardez-le quand même. Mais on ne bouge quand même pas. Amiri. Attention. Pendant quelques secondes encore. Il reste 10 secondes. Mais ça 9 secondes. 8. 7. 6, 5 et demi, 5,75. Mais non, Ordi. 3, 7, 6. C'est quoi cette façon de compter là? 5, 9, 2, 1, bouge! T'as qui là? Qui est là? Merci d'applaudir Bechololas. Alors, Ordi. Tony. Qui c'est qui a bougé? Alors, sans avoir vu, j'ai le pouvoir de désigner quelqu'un qui aurait pu bouger. Mais c'est quoi ça? Bah ouais, c'est alors moi qui? Le cerveau, c'est moi qui décide. Je décide que Nash a bougé. Nash n'a pas bougé, c'est celle qui n'a même pas bougé. Elle en fait. A bougé. C'est mieux là, Nazo là. Je l'ai senti respirer. Alors c'est pas le gage. Alors le gage pour Nash, c'est d'aller embrasser toute une rangée. Faire des bisous. Allez, mais des bisous, ça va, c'est gentil. Des bisous, c'est gentil, Nash, vas-y. C'est gentil. Voilà, toute une rangée. Il a embrassé depuis. En plus, t'as des beaux gosses là. Allez, rapidement. Ah, un baiser, mouac, c'est bizarre. Mouac, 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 mouac. Ah, mais Beko, non, mais. Non. Sans poulet. On a dit toute une rangée, c'est suffisant, Nash, merci. On va applaudir, yeah, s'il vous plaît. Comme ça. Nash, reviens. Yoli, ça va quoi faire ça? Ça va finir. Ça va finir. Assois-toi. Il y a Gattel là. Il est parti. Oh. Alors, maintenant le jeu numéro 3. Il s'agit du Carafolie. Ordi, c'est quoi le Carafolie? Alors, sur l'écran vont apparaître des paroles de chansons que vous connaissez certainement. Vous devriez chanter ces paroles sur les musiques instrumentales d'autres chansons non moins connues. Bah voilà. Nash et J, c'est pluriel. Yeah! Applaudissements, applaudissements, applaudissements. Alors, toujours. Aïe. On va vous placer la GoPro. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça encore? C'est les Yaya. J'adore. Ça, c'est quoi ça encore? C'est le Yaya. Ça, c'est quoi ça encore? C'est le Yaya. Après, le calme n'est pas là. Ça, c'est quoi ça encore? Ah, mais ça.
Nash, on va commencer par toi. Hey. Tu vas chanter sur l'instrumental de Chantal Taïba. Un jour, Lady, il n'y aura plus de larmes. Belle voix. Mais tu vas chanter les paroles de l'année de mon année de JC Pluriel. Est-ce qu'on peut applaudir Nash, s'il vous plaît? So. Gâte de coin. Si ton bonheur dit ça viendra, prends courage la prophétie, ça confiera certainement. Il y a des Willy, il y a des Tidja, d'organiser des Malo. Courage, ma n'est pas loin, pas toi, tous ceux qui cherchent. Oh, yo, yo. Il y a de l'espoir devant les échecs de la vie. Oh, salut, lui, ta malémie. Ah, ouais. Aujourd'hui, tout est difficile. Mais les larmes des enfants, t'en as pas pour pleurer. Que fait faire le chef Kouyou face à son destin? Sinon, attaché à son cou, on n'a pas pris le même départ. Mais la ligne d'arrivée, nous allons la franchir ensemble. OTC, 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 OTC,
petit papa Noël, petit papa Noël. On remet les paroles s'il vous plaît. Non, faut qu'il garde le coin. On remet les paroles, on remet les paroles. Petit papa Noël. Et juste la partie. Tan, 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 tan. Allez. Garde le coin. Merci JC. Non. Ça c'est un jeu qui est génial. C'est un jeu jetable. Un jeu jetable. Sarah, on est foutu. Alors. On est foutu, c'est mort. Viens, on s'en va. En fait, je comprends. Conny. J'ai entendu les complaintes de Ray. Qu'est-ce qu'il a dit? Et je vais me permettre de rééquilibrer quelque peu les équipes. JC va former une team avec Ray et Bomba Ami Sarah va rejoindre Nash. Oh, diable. Voilà. Et on se parle. C'est quelle séparation? JC Pluriel, tu peux t'asseoir là. Oui, mais ordinateur, où vont les points? Donc ça va être... Mais on va déjà terminer le jeu ou pas? Ça, oui, c'est ça. Ordi? Je suis désactivé. Ah ben ouais. Tu mélanges tout et tu te désactives, c'est ça. Mais on va déjà terminer ce jeu-là. Et après, on va intervertir les personnes. Nash est dégoûtée. Elle ne veut pas laisser partir, JC Pluriel. Ray. C'est pas grave. Ray, ça va être... J'ai besoin de soutien. Sur premier Gaou de Magic System. Sur premier Gaou de Magic System, tu chanteras les paroles de Ma Conscience de Singila. On l'encourage. Et voilà, depuis, me revoilà avec une histoire bizarre. Ah. Il va donc falloir que je vous expose. Ah. Le cauchemar de ma boule, ma gauche, je l'aime. Ah. Et pour elle, je tuerais, mais j'ai rencontré une fille. Ah. Et je suis dingue d'elle. Elle claque, elle pète le sport. Yes. Elle est rien. Elle est gogo danseuse. Et elle est sérieuse. Elle est vraiment bulbeuse. Pile poil, c'est ce qu'il me faut. C'est clair que devant elle, je pleure même le bégaye. Et puis devant elle, j'ai shooté les gaz dans ma tête. Elle parade, mais les défauts de son corps, et faut les chercher. Je pense que plutôt de faire les deux, il vaut mieux que je me débarrasse de l'une d'elles pour éviter les blèmes. Ma conscience me dit de jeter la nouvelle. Ah. Mais mon cœur et mon corps s'en battent. De ma conscience plutôt de faire les deux, il vaut mieux que je me débarrasse de l'une d'elles pour éviter. On peut l'applaudir. Hey. Hey, c'était pas mal essayé quand même, n'est-ce pas? Alors, Ordi. Oui, Conny. Qui c'est qui a gagné cette manche? Cette manche aurait dû être remportée par... Aurait dû, il a dit. Par Nash et JC Pluriel. Aurait dû, oui. Mais est remporté par JC Pluriel et Nash. Ouais. Fallait mettre un peu de suspense quand même. Alors, c'était donc le troisième jeu. Mesdames et messieurs, on espère que vous vous éclatez ici. Et que chez vous également, c'est la grande fête. On va se retrouver dans quelques instants seulement pour la suite des jeux, parce qu'il y a beaucoup de surprises encore à voir avec nos différents invités. Ce sera juste après une courte page de publicité. À tout de suite. La série la plus attendue d'Afrique. Oh, tu parles Carlos Touré, mais... Jacob a un rêve. Patrick, j'ai du lourd. Du très très lourd pour toi. Mais c'est le PSG. Mais chaque rêve a un prix. Ok, le
Racontez-moi. Amour. Si tu pars jouer en Europe, tu m'emmènes avec toi. Amitié. Trahison. Si tu crois que c'est veille de tous les Carlos, tu es mal barré, mon fils. Mais là, que veux-tu que je fasse? Tu as ma solution, Max. Vivez toutes ces émotions. Rêve sans fin. Quand tu danses avec les hyènes, assure-toi qu'elles ont bien mangé avant. En exclusivité sur RTI.